Bienvenue à l'émission Chasses-tu? Cette semaine, après 3 jours de chasse infructueuse, nous faisons une petite pause dans le temps. Nous analyserons ensemble les différentes stratégies que nous avions utilisées pour essayer de récolter un mâle mature et qui s'étaient avérées inefficaces en date du 8 novembre. Des images intéressantes commencent à apparaître et confirment que plusieurs mâles matures sont présents dans le secteur. L'analyse de ces images nous donne des indices quant à leur déplacement et confirme que nous sommes à la bonne place et que ce n'est qu'une question de temps. L'épisode de cette semaine s'intitule « Topo ». Nous sommes rendus le 8 novembre, on est toujours sur le même territoire et je vais vous montrer ce qu'on retrouve sur le site à l'heure actuelle. Sur la carte ici, les bûchers sont en jaune. Ce sont de bons secteurs où la nourriture est abondante et disponible. On a visité tout ce secteur à fond. On est allé dans ce coin, on a fait nos devoirs, on est allé partout. Écoutez, on est là depuis le 27 ou le 28 octobre et nous sommes le 8 novembre. On a seulement chassé à peu près 5 jours pendant toute cette période. On a vu et prospecté plusieurs essences différentes. Et on revient toujours autour de ce secteur-là, le secteur du petit bûcher en jaune qu'on voit ici. Ce petit bûcher semble meilleur que l'autre côté du chemin pour des raisons que j'ignore. On a contourné plusieurs secteurs, on a exploré plusieurs habitats différents, marché quelques bûchers, mais une partie du bûcher semble plus prometteuse. Les triangles mauves nous montrent les emplacements de nos miradors. Les petites caméras rouges, ce sont nos caméras de surveillance disposées dans ce secteur. Toute cette zone-là en vert sur la carte représente les secteurs où on pense que les mâles se déplacent. Il y a beaucoup de signes de grattage, beaucoup de signes révélateurs, ce qui démontre une grande activité, probablement nocturne. Et puis, nous sommes allés vérifier si nos hypothèses étaient bonnes. Écoutez, lorsqu'on est en tournage, on n'a pas toujours le temps de montrer tous les petits détails. Mais là, je pense que c'est le moment pour moi de vous expliquer les raisons pour lesquelles on s'est attardé dans cette zone et vous présenter un petit peu les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, on se souvient de l'endroit où j'avais trouvé des signes. C'était ici, derrière cette montagne-là. J'avais fait des faux grattés là. On se souvient, j'étais à moitié en dépression. J'avais trouvé un petit gratté avec quelques petits frottés. J'avais posé une caméra là, j'avais fait un faux gratté. Et un mâle est apparu, un beau 8-pointe, avec des géants longs de 2 pouces à peu près. Et 2 jeunes mâles, 2 spikes, se sont également présentés. Ces 2 chevreuils passaient assez régulièrement là, probablement pour retourner se coucher. Et ces 2 mâles-là, je les ai aussi retrouvés également sur cette caméra située là. Le 8-pointe avec les géants de 2 pouces et le petit spike qui faisait son fanfaron et qui sautait après la branche en surplomb. C'était vraiment le fun à voir. Ces 2 bocs-là, je ne les ai pas vus ailleurs que là et c'est très encourageant de voir qu'au moins on avait un boc mature dans ce coin-là. Vous allez remarquer que je parle souvent des cornes de chevreuil, des pointes de chevreuil. Alors, c'est une méthode de Boone and Crockett Club. Alors, c'est un système de mesure officiel pour les grands gibiers trophées d'Amérique. Alors, lorsque je parle de G1, ici, là, c'est les petites pointes qui sont au centre de chaque côté. Si vous voyez bien ici, là, les petits ronds bruns se sont dégrattés. Et pourquoi j'en ai pas fait ici et là et un peu partout? C'est parce que pour moi, mon secteur préféré, c'était vraiment lui, là, tout ce secteur-là. On a posé un mirador là, on a fait des faux grattés, mais on n'était pas capable de voir jusqu'au fond ici. Vous voyez là, il y a comme une zone marécageuse, assez sec, et notre mirador est là dans 2 gros pins. Et on voit ces grattés-là, et c'est ça qu'on surveillait. On n'était pas capable de voir jusqu'au fond et c'est pour cela qu'on a refait des faux grattés. Ce secteur, c'était vraiment mon endroit préféré, mais on ne voulait pas chasser là. On attendait des vents qui venaient de l'ouest pour chasser là. Et ça, on les a eus le 5 novembre. On a chassé une journée là. C'est là que Yannick
a vu une petite femelle juste ici. On attendait des vents de l'ouest. On ne voulait pas chasser là avec des vents venant du nord-ouest parce qu'on avait peur de se faire repérer par nos odeurs dispersées par les vents contraires. Mais on s'est aperçu plus tard que finalement, après avoir reprospecté cette zone-là à fond, on a constaté qu'il ne se passait plus grand-chose et on aurait pu chasser immédiatement avec des vents venant du nord-ouest sans problème. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On est allé poser un mirador juste ici, sur le coin de notre petit boucher, pour être capable de chasser à bon vent avec un vent venant du nord-ouest, du nord, du sud-ouest. On pouvait chasser là sans problème. C'est pour cette raison que le 3 novembre, on a commencé à chasser ici dans ce mirador parce que les vents étaient bons. On a chassé ici le 5 novembre dans ce mirador parce que le vent venait d'ouest. Et pourquoi on a chassé là dans ce mirador? Eh bien, c'est parce qu'on savait très bien qu'il y avait notre 8 pointes avec des petites G1 de 2 pouces dans ce secteur. Alors, ça grattait dans ce coin-là. Après ça, qu'est-ce qu'on savait à propos de notre territoire? Eh bien, il est apparu un beau 6 pointes, pas de G1. Il est passé là, c'est un mâle qui est apparu le 9 novembre. C'est sûr que le 8, on ne savait pas qu'il était là. Tant mieux, ça nous faisait un mâle mature de plus sur le terrain. Et qu'on a revu sur une autre de nos caméras à peu près à 3 ou à 4 km de là en ligne droite. C'est sûr qu'il y avait sûrement une femelle qui dégageait son petit parfum d'amour dans ce coin-là parce que ce mâle s'est retrouvé là. Et au début, on a chassé là un peu dans ce secteur et on a eu l'impression d'avoir perdu notre temps parce que c'était pas assez évident. Mais après coup, on se dit qu'on aurait dû chasser là un peu plus, mais on le savait pas. Mais on aurait dû car on a failli devenir fou lors du visionnement de notre caméra car il n'y avait pas juste ce mâle qui était là. Il est apparu un monstre, un boc à palette dans la même nuit. Et là, on savait très bien qu'il y avait une femelle qui était en chaleur dans ce secteur. Le boc a gratté là et frotté ici et là. Il aurait fallu être dans ce secteur pendant qu'il y avait de l'activité, mais ça, on ne le savait pas. Ce gros chevreuil-là a également été pris en photo par un autre chasseur dans le même secteur, tournant probablement autour d'une femelle en chaleur, mais personne ne l'a revu depuis. Est-ce qu'il est décédé dû à un gros hiver? On ne saura jamais. Mais quand même, c'était juste pour vous expliquer ce qui se passait sur le terrain. Après ça, qu'est-ce qu'on avait sur le terrain qu'on savait? Ici, on a un autre mâle mature avec des petits géants qu'on a retrouvés là. On avait posé une caméra dans ce secteur-là. C'était un coin bedding, un coin couchette. On avait posé cette caméra autour du 28 ou du 29 octobre. Et on est retourné là vers le 4 novembre. Il n'y avait pas de photo. Et le 6 novembre est apparu ce chevreuil-là accompagné de quelques femelles, ce qui confirmait que c'est-à-dire que la couchette était dans ce secteur-là. L'analyse des photos de nos caméras de surveillance nous montre qu'il y avait 2 ou 3 bocs très intéressants et l'apparition un peu plus loin dans notre territoire d'un beau boc à palette à faire rêver. L'analyse de notre prospection du 8 novembre confirme qu'on peut se permettre d'aller chasser dans le mirador du secteur 2 sans compromettre nos odeurs. Alors, on avait un gros 8 pointes avec des géants de 2 pouces. Un gros 8 pointes avec des petites G1. On avait un gros 6 pointes, pas de G1. Et un gros boc à palette proche de notre secteur qui a dû passer par ici aussi. Il y avait au moins 4 bocs matures. Alors, faut comprendre que ça grattait en bébite. Là, on s'est aperçu qu'on a chassé à bon vent là. On est retourné chasser à bon vent ici. On a donné une journée et demie ou 2 jours et on est revenu ici. Et là, on s'est dit que peut-être qu'on se fait entendre quand on arrive en VTT. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce mirador-là et on l'a déplacé ici parce que lorsqu'on est allé faire notre prospection, on s'est aperçu que c'était gratté énormément dans ce coin-là, un peu partout. On s'est dit, on essaie-tu pour voir de chasser avec un vent qui vient de l'ouest, du nord-ouest ou du sud-ouest? On va surveiller cette ligne de tir au cas où on
voit passer un boc, parce qu'on sait là, qu'il y en avait trois, c'est certain, là, et pour voir si on ne leur reverrait pas la face en traversant cette belle ligne de tir, car c'était possible qu'on le repère alors qu'il voulait rentrer dans le bûcher. Alors, on est rendu là. On a chassé une journée et demie dans le mirador. On n'a rien vu et on s'est dit, on va tout enlever l'équipement, le mirador et toute l'attirail. Mais avant, on a décidé de revérifier une dernière fois nos caméras et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'activité, rien dans les grattés, à l'exception d'une photo d'une petite femelle, mais sinon, tout était tranquille. Alors, le 8 novembre au midi, on a pris conscience que nos chances de réussite étaient extrêmement faibles. Et puisque le risque d'être découvert par nos odeurs n'était pas si énorme, si on chassait dans ce mirador, puisqu'on s'est rendu compte finalement que les chevreuils ne se déplaçaient pas de la façon dont on avait pensé, mais plutôt de cette façon ici, là, on s'est dit, pourquoi ne pas donner plus de temps à notre endroit préféré? Il y a sûrement un mâle qui va finir par réagir à nos appels. Et c'est pas grave si on chasse nord-ouest. Nord, c'est bon. Sud-ouest, c'est bon. Sud, c'est bon. C'est tout ce qui vient de l'est là, que c'est pas bon. Mais on s'est dit que tant que les vents vont venir de cette direction-là, c'est là qu'on va chasser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le 8 novembre en après-midi? On a démonté le mirador. Et on s'est dit que le 9 au matin, on va chasser là. Et notre décision a porté fruit. Chasser dans le mirador du secteur 2 a été une excellente initiative. Cependant, un incident s'est produit. Le prochain épisode s'intitule « Sous le choc ».